Je suis entrée à l'usine comme intérimaire. Le premier jour, on dit, il faut te présenter à telle heure, à tel endroit, on va vous faire visiter, vous donner votre code, votre placard. En fin de compte, non, t'arrives à 8 heures, on te fait pas visiter, on te fait traverser juste. Ce qui m'a impressionnée, c'est la grandeur de l'usine. Je pense en général, c'est le nombre. C'est vrai, c'est impressionnant dans les frigos, ces carcasses. Tu te demandes où est-ce qu'ils sortent tous ces cochons s'ils ne les fabriquent pas sous terre. Après, tu rentres dans une grande salle, tu vois qu'il y a 400 personnes là-dedans. Des bruits de machines, ça gueule de partout. On te fait bien comprendre qu'il va falloir que tu t'y mettes tout de suite et que si dans 3 jours tu ne suis pas, t'es dehors. On m'a mise en découpe pour emballer les échines qui partent en Russie. Devant, t'as les désosseurs et l'échine qui arrive. T'es 3 à ce poste-là. T'as celle qui déroule le film, qui pose l'échine dessus. Toi, tu dois tourner 2 fois le film pour qu'elle soit emballée. Et tu la mets sur la table d'à côté, où il y a la nana qui elle met en carton. Moi, au début, je suis tombée avec des petites nanas sympas qui m'ont bien expliqué. Le lendemain, j'ai vu le médecin du travail. Elle m'a interrogée sur ce que j'avais fait avant. Je faisais pas ça avant. Avant, j'étais coiffeuse. Avant, j'étais à Paris, puis je suis arrivée dans la région à cause de la mer. Mais ici, c'est que des usines de viande. En tant qu'intérimaire, c'est là qu'on te place. J'ai dit oui, l'usine, ça me fait pas peur. Je m'adapte facilement. J'ai un caractère, on va dire, facile avec les gens. Vous allez pas rester ici, elle m'a dit. Vous allez reprendre vos études. Faut surtout pas rester là-dedans. Si vous restez là, c'est foutu. Vous en avez pour toute votre vie. J'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. D'un autre côté, j'ai rencontré mon mari. Lui aussi, il travaille à l'usine. L'usine, pour moi, c'était un changement radical. Pendant 8 heures, tu fais le même geste. En coiffure, tu te muscles vachement les mains, les doigts, mais pas les poignets. Ce qui fait qu'au bout du mois, 8 heures par jour, 5 jours par semaine, eh ben mes poignets ont lâché. Je suis revenue à l'usine, je pensais qu'ils allaient me changer de poste et on m'a dit non, non, tu retournes là-bas. Eux, s'ils voient que t'es bonne à un poste, qu'il n'y a pas d'attente, t'en bouges plus. 2 mois après, ça a été le poignet droit. Rebelote, infiltration, 3 semaines d'arrêt.
Quand je suis revenue, c'était plus les échines, c'était les carrés. Et pareil, rendement, rendement, rendement.
Les horaires, c'est 5h30, 13h ou 5h, midi 30. Mais j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Donc j'ai toute l'après-midi. Et quand il fait beau, l'été, après le boulot, je vais à la plage. Et en hiver, je reste à la maison, je lis. J'aime beaucoup les lectures. Là, moi, je suis aux épaules. 20 épaules de l'heure, on a tout juste notre salaire. Après, ce qu'on fait au-delà, ça passe en prime. Or, c'est la prime qui fait le salaire. Mais une fois qu'on a appris le geste, on est comme des machines. Pour moi, c'était une histoire d'argent. C'est ni plus ni moins que ça. À un moment, on se dit, bon, ben, je vais me débrouiller tout seul. Je sortais de l'armée, j'étais dans la panade financièrement. Et sur le moment, ça m'a donné de l'air. Je voulais une famille. Mon père, lui, il était routier. Il partait le lundi, il revenait que le vendredi. Moi, je ne voyais pas ma vie comme ça. Je m'étais trouvé une copine. On voulait une maison pas très loin à cause de la mer. C'était le démarrage. C'était les toutes premières chaînes. Il y a des gens qui aimaient ça. Moi, par exemple, j'aimais ça. En fait, si j'ai tenu, c'est parce que j'aimais beaucoup mon boulot. Je crois que je suis programmé en plus pour le travail en usine. Au bout de quelques années, je suis passé contremaître. D'abord en volaille. La volaille, c'est ce qu'il y a de plus dur. Je n'ai pas gardé de relation intime avec la volaille. On nous emmenait voir des chaînes déjà montées. On nous emmenait en Bretagne. Il y avait des réunions où on nous parlait de la chaîne. On était motivés pour faire plus. Mais il fallait toujours faire mieux. Moi, je disais aux gens, il faut aller plus vite. Parce que l'entreprise, si elle gagne plus, nous, on gagnera mieux. Et puis, avec la nouvelle machine qui va arriver, vous serez moins fatigué le soir. Parce que vous n'auriez plus rien à porter. Mais la chaîne, à chaque fois, ça a durci au lieu d'améliorer le travail des gens. À chaque fois, on nous disait, c'est une amélioration.
Alors oui, une amélioration mécanique. Mais une destruction. Une destruction un petit peu humaine, quoi. Maintenant, le travail, c'est vous devez travailler, travailler, travailler. Vous êtes des bras et des jambes. Quand vous rentrez dans l'usine, surtout quand vous rentrez dans une salle de découpe comme ça, et quand vous voyez la fourmilière que c'est, oui, ça donne l'impression d'une prison. Ça donne l'impression qu'on ne voudrait pas être à cette place, qu'on ne voudrait pas faire ça. Tout d'un coup, on s'est retrouvé à se dire, eh ben, c'est comme dans Charlot. Et dans les autres services, pareil. On se disait, ben, ça va être plus pratique. Et puis, si ça va trop vite, on arrêtera le bouton. Mais en vérité, tout de suite, ça s'est mal passé. La direction, tout de suite, elle a dit, nous, maintenant, on a acheté des machines. Il faut les rentabiliser. Le premier mois, on faisait 3000 barquettes. Le deuxième mois, il fallait en faire 4000, et ainsi de suite. C'est comme ça que sont venus les problèmes. Avec les nouvelles machines, on produisait beaucoup plus. Donc on cherchait de nouveaux marchés. Et ça, ça veut dire casser les prix, faire des promos et du coup produire encore plus. Mais il y a une chose que je voudrais dire. C'est que c'est du gâchis. Parce que j'aimais ce que je faisais. J'aimais mon métier. J'avais d'autant plus le mauvais rôle que j'étais pris entre les deux. Et jamais je n'ai eu de dégoût particulier par rapport à la viande. Quand t'es intérimaire, si tu veux dire salut, tu peux dire salut. Alors au bout d'un an, j'ai dit salut. Le chef pensait que je m'étais arrêtée 3 semaines parce que j'avais mal au poignet. Et quand ma collègue lui a dit mais non, elle revient pas. Elle a dit mais je comprends pas. Pourtant c'est une bonne bosseuse, on comptait l'embaucher. Elle lui a dit mais attends, elle a déjà eu 2 infiltrations au poignet, tu veux pas la changer de poste. Et il lui a dit en ricanant, de toute façon à part l'usine, il n'y a pas de boulot, elle va revenir. D'un côté, il a pas eu tort, je suis revenue au bout d'un an. Mon mari me dit, Marie, t'as 25 ans, j'en ai 30, on n'a pas d'enfant. Si tu veux faire autre chose, c'est maintenant. C'est pas dans 5 ans, c'est maintenant.
Mon mari me dit que j'ai changé. C'est vrai, je me rends compte que je deviens dure. Je suis devenue indifférente aux autres. J'ai un peu perdu ma naïveté, en fait. Maintenant, ça me fait plus rien de voir du sang. Je peux aller dans les frigos, voir les têtes suspendues, ça me fait plus rien. Au tout début, quand j'étais pas habituée, je faisais tout le temps des cauchemars. Je rêvais de la chaîne. Mais c'était plus les cochons qui étaient pendus, c'était des êtres humains. C'est la viande qui fait ça. Mais je vais pas rester, hein. Je vais pas devenir comme eux. Ça m'est arrivé, j'étais dans le bureau, moi, quand ça m'est arrivé. Vous avez le chef qui voit les intérimaires arriver et qui dit à notre chef à côté de lui, voilà de la chair fraîche. On en est venu à trouver que c'était normal. C'est quand j'en parle à l'extérieur, les gens me disent, c'est pas possible, comment tu fais pour tenir? Je me suis habituée. Les gens me rappellent à la raison en me disant, mais attends, vous n'avez pas vu que c'est pas humain? C'est rapide, hein, faut pas croire. Franchement, il y a trop de choses à faire pour pouvoir s'ennuyer. Ça passe très très vite. On change de poste tous les trois quarts d'heure. Comme ça, ça permet d'être des fois sur la ligne du haut, sous la ligne du bas. Et c'est pas tout à fait la même façon de s'occuper des morceaux, quoi. Toujours un mouvement de quand même d'aller chercher. Déjà, en plus, on a toujours un mouvement de. Non seulement les bras, mais les mains, parce qu'on a le couteau. Et tenir ce couteau dans la main toute la journée, c'est quand même assez dur. Et puis, d'être obligé de s'avancer pour attraper l'escalope. Et enfin, de lancer pour que ça aille au bon endroit.
Moi, je m'appelle Serge. Dans la viande, oui, j'ai toujours fait ça. J'ai commencé à l'âge de 18 ans. Le premier jour, un choc. C'est la cadence de tuerie qui fait que c'est violent. Je m'attendais quand même pas à quelle vitesse on voit les vaches se faire tuer. C'est pan, pan, pan. Ça s'arrête pas. C'est une bête qui meurt toutes les minutes. Si ça avait été moins rapide, je pense que j'aurais eu le temps de digérer la première vache avant de voir la deuxième se faire abattre. Hey. Au début, on a envie de vomir. Moi, je me suis dit, je vais pas tenir. Tous les nouveaux, ils pensent qu'ils vont pas rester. Comme le sang est jailli, il faut déjà être bien accroché. Sinon, pour le reste, je pouvais m'attendre à ce que j'allais voir. Il y en a beaucoup, c'est la peur de voir le sang. Celui qui est en tuerie fait des cauchemars, c'est obligé. T'as toujours le contact de cette bête qui va venir se faire tuer. Mais on s'y fait, on fait notre boulot, on n'y pense pas. Un coup que la bête est tuée, le gars tire sur une manette, la bête tombe, elle est éjectée du piège. Ensuite, il faut qu'il l'accroche par la patte. Mais la bête, quand elle a attrapé le coup de pistolet, elle n'est pas complètement morte. Elle a des réactions qu'on appelle ça. C'est là que c'est le plus dangereux. Le plus pénible, c'est d'accrocher les bêtes. Parce que si vous embauchez, vous savez pas si vous allez réussir à débaucher. Parce que vous savez pas si vous aurez une main en moins ou... Il y a toujours des réactions des bêtes. Des réactions terribles, terribles, terribles. Elles sont mortes, mais c'est des réactions. Pour moi, c'est le poste le plus dur de l'abattoir. Et puis des fois, ça va tellement vite qu'on oublie, qu'on n'y pense plus. On s'habitue. On s'habitue à tout. C'est la pire des choses, l'habitude.
Bah ouais, parce que ils ont une réaction, mais c'est pas la même, tous. Mais ça, on est obligé de suivre la réaction. Et nous, c'est une question de coup d'œil. Un coup d'œil, on voit si le cochon va réagir mal ou bien. T'es obligé. Vous voulez pas vous asseoir? Si, c'est pas de problème. Les premières années, on a un cauchemar parce qu'on a un cauchemar parce que on a du mal à s'y faire, quoi. Il faut les trois premiers mois qu'on est là, dans ce machin, on a du mal à avoir le parfum déjà, s'acclimater au parfum et à l'ambiance, parce que l'ambiance c'est pas l'ambiance d'une autre usine, quoi. C'est pour ça qu'au départ, les jeunes ont du mal à... Ben, c'est logique. Moi, j'étais les trois premiers mois, quand je suis arrivé là. Oh, il y a rien de moi ce qui m'arrivait. Il mettait un poste et puis il démerde-toi. Quoique, je me suis pas... Mais j'ai eu du mal les trois premiers mois. Trois mois. Pas plus. Mesdames. C'est bon, si... Dis-moi qu'on se porte bien, mais reste à... arriver en bonne santé en retraite aussi. Si on peut en profiter au moins 2 ans. Parce que... Il y a beaucoup quand il arrive en retraite. À une cadence comme ça. Il arrive... Il a du mal à s'y faire. J'ai un collègue là qui est avec moi, ben son voisin, lui, ben, c'est déjà pour réussir. Arrivé en retraite. Oui, parce qu'on a une trop grande cadence qu'il y a vu d'autres fois. D'autres fois, les gens n'avaient pas une cadence comme ça ou dans le boulot. Mesdames. Passer, c'est la photo de famille. Bonjour. Dans 10 ans, ouais. Même 20 ans, on ne pensera plus. Hein. Bonjour. Bonjour. L'usine, maintenant, je la connais par cœur. Je fais de la polyvalence, je suis le bouche-trou. C'est sûr, c'est pas l'idée qu'on se fait de sa vie. On se dit c'est temporaire, puis c'est un temporaire qui dure longtemps. J'ai 35 ans. Ça fait 12 ans. J'ai 2 enfants, une maison, j'ai un mari. On a un salaire à la fin du mois qui permet qu'on vit. Les enfants voudraient pas qu'ils y aillent. Quand même, je les vois mal. Je les vois très mal, ou alors comme commercial ou un truc comme ça. Mais pas au travail à la chaîne. Mais les enfants, même pour les devoirs, on peut pas les aider. On n'a pas le temps. Je me reproche beaucoup des choses comme ça. Et aussi mon mari. Il y a 6 ans, j'en avais marre. C'était un ras-le-bol. Je suis pas partie parce que mon mari a dû s'arrêter pour une raison de santé. C'est un os de son bras qui est mort, un métacarpe. Et comme à ce moment-là, on m'a proposé de m'embaucher définitivement, et avec la crise du chômage qui arrivait dans la région, donc on s'est dit, on peut pas partir à deux. Mais il ne serait pas parti, oui. Je pense que je serais partie.
On est cassé parce que notre machine à nous, elle l'est. Ou alors il faudrait qu'ils nous clonent. C'est ça? Il faudrait qu'ils arrivent à faire évoluer nos articulations en fonction des gestes qu'ils nous demandent de faire. Et ils feraient des chaînes de clones comme ça. Je me dis que c'est pas possible de continuer d'amener les gens à être des clones, des bêtes dans leur tête. On a tous le droit de travailler. On n'a pas tous des qualifications pour être en haut. Mais quand même, on n'est pas des robots. Parce que quand on est robot, on n'est pas que robot, on est des humains. Le geste répétitif, ça se voit pas que ça fait mal. Vous travaillez 5 ou 6 heures, juste ce geste-là en permanence, c'est tout. Vous le faites juste un jour, 5 ou 6 heures. Et pendant 5 ou 6 heures, vous faites ce geste-là. Eh bien, vous verrez le soir. Eh bien, le soir, vous ne pouvez même plus bouger le bras. Et après le soir, c'est l'articulation, ça vous prend. C'est le problème du geste répétitif. Mais juste ce geste-là. Et à la fin de la journée, c'est insupportable. Et le lendemain, elles recommencent. Elles ont mal dès le premier outil. Moi, je dirais que j'ai compris vite, mais à la maîtrise, on se le disait pas trop. Moi, au départ, j'étais à fond derrière l'entreprise et même derrière la direction. Ils étaient battants. Je disais, il faut qu'on y arrive. Il n'y a pas de raison que les Bretons y arrivent et que nous, on n'y arrive pas. Je disais, il faut s'équiper davantage, avoir les meilleures machines qui soient. Et puis pour les cadences, bon, on s'y fera petit à petit. C'est surtout les femmes, oui. Au début, non, elles n'ont rien dit. Il y en a qui ont dit, ben, si c'est ça, on ira travailler ailleurs. Et au bout de quelques mois, il y en a qui pleuraient. Et puis, oui, il y en a qui ont commencé à avoir des problèmes. Quand on a un agent de maîtrise, ce qu'on se dit toujours, c'est que dans un an ou deux, on sera cadre. Alors, on n'a pas d'horaire. Moi, ce que je me disais, c'est que je vais pouvoir construire. Ce que j'ai fait à ce moment-là, d'ailleurs. Je rentrais, j'étais crevé, j'allais me coucher. Samedi après-midi, je rentrais, j'allais me coucher. Il me restait que le dimanche. Le problème, c'est que tes horaires, tu essaies de les imposer aux ouvrières qui sont derrière. Plus elles en faisaient, et plus ça m'allait toujours pas. Et plus elles en faisaient, et plus on en demandait. C'est comme ça que j'ai vu que ça n'irait pas. J'ai compris que c'était de la fuite en avant et qu'on n'y arriverait jamais. C'est là que j'ai commencé à avoir des problèmes. Parce que j'ai commencé à me syndiquer. C'est pas tellement quand on travaille qu'on a mal. C'est plus tard. Quand le corps est froid. La nuit, on n'arrive plus à dormir.
On m'avait proposé pour passer chef. Je me suis dit, c'est une bonne opportunité. C'est pas dès le début que j'ai compris leurs astuces. D'abord, ils m'ont appelé dans le bureau et ils m'ont fait signer un contrat moral. On s'engage à ne pas révéler les secrets. C'est un contrat dont on ne m'a pas donné le double. J'ai vu les grandes lignes, mais ils ne nous laissent pas le temps de lire. J'ai signé, lu et approuvé. Le temps de ma responsabilité de chef de ligne, je n'ai pas le droit de révéler ni les augmentations de cadence, ni pourquoi on les augmente, ni comment. Et même après ma responsabilité, c'est comme ça. Le responsable de ligne peut augmenter le tapis. Les personnes ne s'en rendent pas compte. Ça augmente de quoi ? Une seconde en moins par rôti. Mais c'est sur des petits gestes de rien du tout qu'on augmente la cadence. Quand on augmente le tapis, au bout d'un quart d'heure, les personnes se disent « Merde, j'arrive plus à suivre ». Et puis d'un seul coup, elles y arrivent. C'est parce qu'on a eu le nombre de rôtis qu'on voulait. On a remis le tapis à la cadence normale. Les personnes croient juste qu'elles sont un peu fatiguées. Tous les jours, comme ça, on fait une augmentation de cadence d'un quart d'heure. C'est pour être sûr que la commande sera prête, ou quand il y a une panne. On doit être sec avec les gens. On n'a pas le droit d'avoir des amis quand on est responsable. On doit donner l'exemple. On se sent trahir les autres. C'est pour ça, moi, je ne l'ai pas fait longtemps. Et puis moi, j'aime être populaire dans l'usine. Et dès qu'on est responsable, les autres vous tournent automatiquement le dos. Alors je suis retournée sur la chaîne, comme tout le monde. Comme simple ouvrière. On gagne des parts de marché, mais on perd de l'argent. On n'arrête pas de perdre de l'argent, parce qu'il n'y a plus de prix. On vend à perte. C'est devenu complètement aberrant. Avant, les accords avec les supermarchés, c'était une semaine de promo par mois. C'est les trois autres semaines qu'on gagnait de l'argent. Maintenant, trois semaines par mois, on vend plus qu'en promo. Et la quatrième semaine, on vend rien parce que tout le monde a un congélateur. On augmente les cadences et on perd de l'argent. La matière première qui baisse, les coûts d'emballage qui augmentent. Sur quoi peut-on gagner? On pourrait gagner sur les ouvriers. On arrive à des cadences où je ne vois pas comment on peut aller plus loin. Tenir la cadence, rentrer chez soi et se dire c'est fini, on se calme. Des fois ça ne se fait pas, on reste quand même énervé, on est dans son lit, on est énervé. Je n'arrive plus à dormir. Alors je me dis, je pense à mon salaire à la fin du mois. En gros c'est ça, on oublie les désagréments qui vont avec le travail. Comme j'étais délégué du personnel, les gens me demandaient de plus en plus souvent de faire remonter à la médecine du travail les problèmes qu'ils avaient. Donc automatiquement, les patrons ont dit « tu choisis ton camp ».
Si tu veux passer cadre, t'es plus délégué. J'ai dit non. Au bout de 2 ans, j'ai été licencié. C'est un jour un cadre qui m'a bousculé. Il me cherchait une faute. Alors forcément, ils l'ont trouvé. Une fois qu'on est dans le système, qu'on a nos primes, qu'on a de l'ancienneté, on est pris dans l'engrenage. On fait un geste, toujours le même. Il faut couper, appuyer. Je regarde les chiffres, je regarde les anciens. Il n'y en a pas un qui va au bout. C'est la répétition, c'est l'usure. C'est de la vache, c'est du cuir, tout est dur. Il suffit qu'une vache soit plus vieille, que le cuir soit plus dur, ou qu'une vache soit sale, ou qu'il y ait une croûte de boue sur le cuir, et le couteau coupe plus. Là, ça devient un truc de dingue, parce que la chaîne, elle s'arrête pas. Là où j'ai le plus attrapé la maladie, c'est à dépouiller les têtes. C'est la langue, les joues, c'est le pot-au-feu. C'est un poste très très dur. Mais il faut le faire parce que c'est notre métier. Mon poignet, il était abîmé avant. Et ça, ça l'a fini. La main en fin de journée est rouge, bleue. C'est une brûlure à l'intérieur. Je dormais plus la nuit. Toute la nuit, j'étais réveillé parce que j'avais des fourmis dans le bras. Jusque dans le cou. Pour finir, toutes les heures, j'étais réveillé. J'avais presque plus de force. Mes mains, elles sont usées. Je suis allé voir un spécialiste qui m'a dit « J'aime mieux opérer ». Le mal est là, donc le mal est fait. Dans la nuit du dimanche au lundi, je ne dors pas parce qu'il faut que je retourne là-bas. Je n'arrive plus à mettre ma cotte, détourner l'épaule pour pouvoir m'habiller. Chez moi, je n'arrive plus à m'habiller non plus, à mettre mes chaussettes. Ça vous donne envie de pleurer quand, à la maison, on ne peut plus s'occuper de ses affaires à cause d'un travail. Alors, pour finir, c'est mes épaules qui ont bloqué. C'est une fille qui a voulu me surprendre. C'était pas par méchanceté, c'était par blague. Mais par la peur, en fait, j'ai sursauté. Et puis alors là, quoi, plus moyen de bouger, de ne rien faire. C'est là qu'on s'est aperçu de ce que j'avais. C'est une boule de calcaire qui s'est formée sur l'os de l'épaule et qui me paralyse le bras. Mais est-ce que c'est les muscles qui sont atteints? Je ne sais pas. Quand mon arrêt de travail a été fini, je suis revenu, c'était un jeudi. Je suis rentré dans le bureau, on m'a dit, pour vous c'est fini, on ne veut plus vous voir dans l'entreprise. Vous êtes dangereux pour vous et vos collègues. Votre main n'a plus de force, vous pouvez lâcher le couteau. C'est votre médecin qui l'a inscrit dans votre dossier. Sur le coup, les premières nuits, je n'ai pas beaucoup dormi. Les cauchemars de l'abattoir, plus ce qui m'arrive, licencié comme un bon à rien, inapte au travail au bout de 36 ans de travail.
15 jours après mon licenciement, je suis parti, je ne savais pas où j'allais. Je n'ai jamais eu peur. C'est deux vies, une qui vient de finir, une qui commence. Celle qui commence, je ne peux pas dire, je la connais pas. Je m'en vais en mer, j'aide un copain à faire les huîtres. Il arrive le vendredi, j'ai l'impression d'être le mardi. Ça fait 2 ans que j'ai quitté l'abattoir. Des cauchemars, j'en fais encore. Il n'y a pas de nuit où je ne me réveille pas en sursaut. Il y a toujours une bête vivante qui me court après. Je ne sais pas pourquoi. C'est toujours de la vivante que l'on rêve, jamais de la carcasse ou du sang. Il ne faut pas rêver. Il n'y a pas de nuit où je ne tue pas de vache.